Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. Qui veut nous parler ici? Il faut qu'on trouve la personne qui a attaqué Matty et son arpenteur. Bonjour à toi aussi. Quelqu'un a voulu tuer une partie de moi, alors tu m'excuses si j'ai pas envie de faire des politesses. Je peux comprendre. L'ordre vient pas des proscrits. Ils ont été engagés. On doit trouver le responsable. Il a aussi pris l'archive de données de Rabban Mor. Retrouver le coupable, c'est le seul moyen de mettre la main dessus. Tu sais par où commencer? On a trouvé les morceaux d'une carte sur les proscrits. Eryl les a assemblés et on a découvert l'emplacement de leur camp. Il faut l'attaquer et voir ce qu'on y trouve. Ok, ça se tient. Sumner veut traquer le responsable de la disparition des archives de données de Rabban Mor et de l'attaque de l'arpenteur de Matty. Suivez les déplacements des mercenaires proscrits pour retrouver le responsable. J'ai présenté mes trouvailles à mes collègues. La plupart d'entre eux étaient intrigués, mais j'ai remarqué chez certains une profonde jalousie. Je crains d'en apprendre la raison. Extrait des parchemins égarés de Rabban Mor. En son temps, bon, ça on l'a déjà lu. Hop, c'est parti. Next. Ouh. On va aller voir Yaro qui est en train de boire un coup au bar. J'aimerais bien que... Ça y est ? On a débloqué les contrats légendaires ? Nice ! Freelancer, j'ai reçu un gros contrat aujourd'hui. Gros comment ? Plutôt c'est la fin du monde ou grosse charogne en vue ? Y a pas d'entre-deux avec toi. Le contrat est beaucoup plus dur que d'habitude. Si tu te lances, il faut que tu sois bien préparé. D'accord, la nature n'est jamais complètement sûre. Prenez part au plus dangereux contrat des Sentinelles et acceptez des missions qui mettront à l'épreuve le lancier le plus déterminé. Si Brynn fait participer à un freelancer aux missions des plus difficiles des Sentinelles, c'est certainement qu'elle croit que ses chances de retour sont élevées. C'est un complément d'une certaine façon. D'accord. Ok, très bien. Nice. Maelstrom et repousser le Dominion. Grosse journée de boulot, freelancer. C'est ça la mission? Tiens, ça va être tendu. Bon, bref. Allons au bar avant d'y aller. Notre dernier verre avant la fin du monde. Merde. Alors. Yaro! Yaro! Il est là. Car c'est un bon camarade! Mon ami! Aujourd'hui, il a fait. On danse, on boit. Ouais, on boit! C'est sans regret. Mais maintenant, faut danser. Viens. Oh, vas-y, papy. Fais-moi danser. C'est parti. Pas qu'un peu. Oh! 18 points. Oh, la tristesse de sa danse. Ok, faisons comme si de rien n'était. On n'a rien vu. Soyons bien d'accord, nous n'avons strictement rien vu de ce que c'est de ça. Non, 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 tu vas pas me faire croire qu'il va passer de l'ébriété la plus totale. Ah si, à la sobriété la plus absolue. Attention, c'est parti. Comptez les secondes, hein. Genre sérieusement, hein, parce que là, attention, on va avoir un Yaro sobre. Salut Alouk. Tu vas t'emmerder depuis que c'est plus la fin du monde, hein. Wouhou! Il est tellement rapide cet homme. Le mur a l'air de bien avancer. Oh oui, je relisais juste quelques histoires. Tout va bien? Ça va aller, t'en fais pas pour moi. On me la fait pas, moi, Yaro. Oh ouais, on a dansé ensemble, pote. Poto. Ensemble. Ouais, exactement. Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il vient de plus en plus de monde, ils lisent les histoires, ils affichent des contrats, la situation s'améliore. C'est positif, non? Ouais, c'est... Bien sûr, mais Garnet me traverse l'esprit en ce moment. Ton ami freelancer? Oui, tant d'années ont passé, les souvenirs commencent à s'estomper, tu comprends? La fin de son histoire n'est pas accrochée au mur. Tout ce qu'il a fait... Est-ce que ça va tomber dans l'oubli? Pas tant que tu es là. Ah non, il a sauvé des vies. Ah non, j'ai envie de mettre en avant le fait que c'était un ami. Pas si tu fais entendre ta voix. C'est vrai. Et t'as pas peur de te faire entendre d'habitude? J'ai la voix qui porte pour une bonne raison. Ouais, surtout quand t'es bourré, hein. Ça fait du bien de rire un peu. Cette période de l'année est parfois difficile. Noël? C'est l'époque où j'ai appris pour Garnet. Tu comprends? Pardon? Crois, oui. C'est comme un genre d'anniversaire. Voilà, comme tu dis. Tu crois que j'arriverai un jour à trouver l'histoire de Garnet? Compliqué. Non, mais ce n'est pas grave. Yaro. Dis-moi simplement ce que t'en penses. T'en as pas besoin. Comment ça? Tu connais déjà son histoire, ce qu'il a fait, qui il était, en détail. Je vois ce que tu veux dire. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête. Laisse-moi, s'il te plaît.
Ah, c'est pas la vérité la plus facile à entendre, mon cher Yaro. Malheureusement, c'est la vérité la plus intéressante pour toi. Ah, encore du dialogue? Freelancer Johnny? Très bien. Oui, je comprends. Johnny, comment ça va? Salut. Passe ton chemin, gros poisson. J'ai pas le temps de discuter. Dis-moi, cette histoire de gros poisson, c'est un compliment ou... Parce que selon Reese, je suis plutôt la star. Pour Reese, peut-être. Mais moi, je te vois comme un gros poisson dans une petite mare. Tu m'as pas répondu. C'est... Non, désolé. Je suis juste débordée. Je passe mon temps à attendre, je suis débordée. J'ai mes batteries d'urgence avant ma prochaine mission. Des arpenteurs disparaissent chaque jour. Si je suis pas bien préparée, il y aura des morts. Je peux peut-être t'aider. Tu veux examiner des batteries d'arpenteurs? Vraiment? Y a rien de plus amusant. Ah, des batteries, je vois. T'aurais autre chose à faire? C'est bien ce que je pensais. Pourquoi c'est toi qui t'occupes de la maintenance d'ailleurs? T'es freelancer. Et notre travail, c'est de protéger les gens. Ce qui implique parfois de préparer des batteries pour les arpenteurs accidentés. J'imagine que t'as remarqué qu'ils étaient pas très fiables. Ils sont tous qu'on a. Pas faux. On est tous qu'ils ont. Tout n'est pas amusant dans ce métier. Putain. Ah, je comprends, mais bon, putain. D'accord, d'accord. J'ai assez culpabilisé pour aujourd'hui. Je vais t'aider. Tu? Vraiment? Ah, ça te trouve le cul, ça, hein? Faut croire que je suis pas comme les gens. Jetons un coup d'œil à ces batteries, Johnny. Ah, ça te la coupe, ça, hein? Hein? Ouais, moi je te regarde droit dans les yeux, pourquoi j'ai le poing de la souris dans le milieu du... Hein? C'est bon. Hein? Hein? Je te regarde! Oh! Oh! Fais gaffe. Bon. Quelqu'un d'autre qui veut négocier? Non, c'est bon? Je peux aller bosser? J'ai encore un contrat et une mission d'agent. On va prendre Memento Mori. Nice. J'adore ce nom. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... On va aller vérifier. C'est pas grave. Où est-ce que j'ai déjà entendu ça? Christianisme médiéval. D'ailleurs, ça s'écrit avec un O, pas A-U, hein. Souviens-toi que tu vas mourir. Oh putain, c'est joyeux. J'avais complètement zappé que ça serait comme ça. Ok, très bien. Appelez. Vous voulez voir les statistiques? Non, c'est pas les statistiques de mon alliance que je veux voir. J'aimerais avoir les statistiques de mon javelin, mais ça apparemment, ça n'a pas arrivé avant des plombes. Dirige vers le camp des proscrits, ceux qui étaient impliqués dans l'attaque contre Mati. On doit très bien qui les a engagés et pourquoi. Et compte sur moi, Savner. T'inquiète, on l'occupe. Ça va chier des bulles carrées. Salut. Escar, on dirait qu'ils ont tendu une embuscade aux proscrits. Quelle horreur. Tu l'as anéanti. Il reste peut-être des indices sur leur employeur. Si les Scar n'ont pas tout. Oh. Je ferais bien de les éliminer en vitesse alors. Attends, je m'occupe de toi, 2 secondes, je recharge. Ça me fait même pas mal. Oh, pardon. Tu peux te relever, s'il te plaît? Merci. Que je puisse viser ta tête. Merci. Ça devrait être fait. Salut. Ok, ça se passe plutôt bien. En même temps, j'ai complètement sécurisé un des points. C'est pas censé faire de dégâts, mais bon. Enfin, pas beaucoup, normalement. Salut. Attends, je recharge. Recharge encore. C'est moi qui ai fait ça? Très bien. J'ai un doute, hein, honnêtement. Je vais fouiller les environs pour voir si je trouve quelque chose. Ah! Troy, on va prendre ce job. J'ai laissé la carte des affaires. La phrase secrète, c'est
Salade des marais. Ok. Dommage. Ah, non, ça c'est des pièces. Ouh. Très bien. J'ai la carte. C'est bien ça. Il s'agit de la carte pour leur travail avec des instructions codées. Oh, les effets de l'eau sur la carte, ça c'est stylé. Salade des marais. Ok, je me souviendrai du mot de passe. C'est parti! Je regarde partout s'il y a des petits symboles verts toujours. Hein. Les fameuses runes. J'en sens d'avoir encore 41 sur le terrain en fait, et j'en trouve pas beaucoup finalement. Elles sont plutôt bien planquées. Ok, je crois que j'ai trouvé l'endroit où c'était. C'était un camp arcaniste. J'aurais dû m'en souvenir. Ça grouille de proscrits. Éliminez tous et veille à ce que les arcanistes s'en sortent. Compte sur moi. Pourquoi t'es si solide, toi? Ok. Désolé. Oui, je m'excuse quand je tue quelqu'un maintenant. Hein. C'est nouveau. Ok, on a eu l'exploiteur de points faibles. Je suis partant pour y aller au corps à corps pour maximiser l'XP. Salut. C'était nul. Ouh, génial. De l'XP à foison. Voilà, j'ai eu les factions apparemment, donc ça veut dire que je suis passé 3000 chez quelque part. Ce que j'aimerais bien. Ça marche aussi sur toi, t'inquiète pas. Hein. Hop là. Ouais, tirer pour tuer, surtout moi qui te tue pour le moment. Hein. Ah, c'était un légendaire que j'ai tué comme ça. Hein. Ok. Très bien. Je sens que je vais devoir être désolé pour notre ami. Ouais. Trouver les arcanistes, ils ont été tués. C'est pas vrai. Pourquoi ? Il y a un enregistrement. Ah bon ? Ah oui. Putain, heureusement que je l'ai vu, hein. L'attaque de l'arpenteur s'est soldée par un échec. Je vous laisse une dernière chance. Vous trouverez des arcanistes à ses coordonnées. Récupérez leurs recherches. Pas de survivants. Personnage mystérieux. Et vous en répondrez. Pas devant moi, mais devant mes supérieurs. C'est lui ! C'est lui qui a failli tuer Mathieu ! C'est supérieur ? Ça va remonter. Tu sais où ils sont allés ensuite ? Non, je continue à chercher. Oh ! C'était au pif, hein, mais quand j'ai vu la table, je me suis dit où ça va être là. Je sais où ils vont attaquer les arcanistes. Bah alors affiche-le. Ancienne. Eh, c'est sympa. C'est l'archive de données de Rabanne-Mort. Mathy sera ravi, mais ça attendra. Les fils sont en danger. Tu sais où ils dirigent ? Dépêche-toi d'aller sur place. Ouais, je m'en doutais que ça allait être par là. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on voudrait la mort de Mathy ? T'as une idée ? Dans la mesure où je suis avec lui, ouais, j'en ai même plusieurs. Tu sais ce que je veux dire ? Non. Cette histoire est étrange. Mathy pense qu'il pourrait s'agir d'un chercheur rival, mais... On a déjà eu des rivaux. Personne n'a jamais essayé de tuer qui que ce soit. C'est pas comme ça que procèdent les arcanistes. Moi j'ai cru que ça allait être Sumner ou Eryl. Vous voyez ce que je veux dire ? Un de ces deux jumeaux... Un triplé. Bonjour. Ah non, c'est vrai, j'ai obtenu mon... Il y a des portails qui sont ouverts. Non, pas encore. Hop là. Si on avait eu un, je serais allé passer un coup d'ulte dessus. Alors ? Hop là. Ça c'est fait. Maître du corps à corps, argent. On reste encore, hein. Ouh. Et je vois qu'il y a
Enfin bon, il y a personne qui en sort, donc ça valait bien le coup d'ult. Ok, tristesse. Grosse tristesse. Quand t'es en forteresse et qu'il y a ça qui arrive, souvent t'as 15 ennemis qui arrivent d'un coup. J'aime bien le son que ça fait quand il tire sur mon bouclier. J'ai l'impression que c'était pas là avant, donc j'apprécie. Ah, maître du corps à corps, on l'a eu. Très bien. Maintenant on va passer au... Je pensais que les dégâts de feu allaient... J'arrive. Disons qu'ils allaient être plus importants. Un petit combo. Bon boulot. Les arcanistes alors. Je cherche. Je devrais peut-être pas chercher. On sait déjà dans plus ou moins dans quel état ils vont être. Oh, ils sont vivants. Je les vois. Dunchar. L'ancienne cité arcaniste. Dunchar n'existe plus aujourd'hui. Je sais qu'ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient pour tout emmener dans une planque des environs. Je vais m'en occuper. On sera en sécurité ici. Les proscrits sont morts. Ah, je pensais pas que je toucherais. Nous enverrons un signal de détresse. Vous avez de plus grands problèmes à régler. Wouhou. T'as tout entendu? La discussion sur Dunchar? Ouais, t'as du mal à comprendre. Anchar a été détruite il y a des années, lors d'un cataclysme, mais peu importe. Ouais, ou transporté dans le futur. Je sais pas, je balance des idées au pif. Hein. La dernière fois que je suis passé ici, il y a plein de Tessie. C'est Tassilar. Vous savez qui vous électrocute, qui vous font tomber. C'est du vécu, hein, ça se sent, hein, la haine. Ok, très bien. J'aime bien cet endroit. J'aime bien. C'est ici qu'on a trouvé les documents perdus de mort. La dernière fois aussi, les proscrits avaient tendu une embuscade. Et maintenant, ils sont fortifiés. Des tourelles, des réserves. Salut. Ils veulent tout ce qu'on sait sur un bal mort. Et leur chef, celui qui les a engagés. Tu vas peut-être devoir le faire sortir de sa cachette. T'inquiète, déjà qu'il a plus de tourelles, le pauvre. Ah, il est mort avant, quel dommage. Faut absolument que je combatte. Ouh, ça a dû faire mal. Ah, j'arrive pas à combattre à temps. Et tous les cramer, c'est pas grave. Les balles rebondissent à mon avis. Hein. Combo, bronze, ça c'est bien. Par contre c'est plus en termes d'équipement que j'ai du mal. Mettre des capacités ultimes. Ah bah non, j'en suis qu'à 4. Fous de ma gueule. Aïe. Ça c'est pas de l'équipement ça. Je commence à avoir un doute. 6. Apparemment c'est... Ah, faut peut-être pas que je les laisse brûler. Faut vraiment que je fasse des dégâts max. Oh. C'est pas comme les armes. D'accord, vendu. Coucou. Ok. Détruire l'équipement. Oh. Maître de l'équipement. Ça y est, j'ai eu le premier. Nice. C'est pas ça.
Pas ça non plus ? Oui. C'est ça ? Ouais. Ah ! Je suis aveugle ! Au suivant ! Pas si c'est efficace ça. Ça c'est efficace, c'est sûr. Ça aussi. T'inquiète. J'y travaille. Hop là. Je sais pas si je l'ai eu cela dit, mais j'y travaille. Aha. Trouvé. Il en reste toujours. C'est bon ? Les ennuis arrivent. Pas de doute, c'est lui le chef. Élimine cette ordure. C'est qui le chef ? Oh, il est en javelin. C'est une femme ? C'est pas Max ? Le chef est à terre. Bien. Assure-toi que les autres sont dans le même état. Ensuite, on pourra découvrir leurs intentions. Fouillez. Il faut qu'on sache ce qu'ils trament et pourquoi ils tuent des arcanistes. Oui, bah écoute, si tu veux, mais... Ah, faut que je recherche encore des choses. Oh ! J'irais pas jusqu'à dire que tu me les brises, mais un petit peu, hein. T'es où ? Ah d'accord. J'ai trouvé un autre enregistrement. Trouvez les artefacts de Rabanne-Mort. Rapportez-les-moi. Mort refusait de partager ses secrets avec vous. Il a payé cet affront de sa vie. Vous partagerez son destin si vous décevez le symposium d'Anchar. C'est lui. Celui qui est derrière tout ça. Il a jamais mis les pieds ici. Tout ça pour rien alors ? Non, pas pour rien. On a l'archive de Mort. On a sauvé des vies. Mais ce symposium d'Anchar... Ils disent avoir tué Mort il y a des années. Et ils n'existent même pas. Comment ça ? On prétend qu'il s'agit d'une ancienne société d'arcanistes. Mais reviens fort. On pourra y parler en sécurité. Mouais. Non ! Oui ! Ouh ! Je sais que j'allais rater ça. Non, je suis un peu... En fait... Le fait qu'une personne aussi érudite puisse exprimer l'idée que quelque chose dont on a entendu parler ne puisse pas exister, c'est comme si un chercheur disait de toute façon ce que je cherche ça n'existe pas. Vous voyez, c'est non, le but dans ta vie c'est de chercher des nouvelles choses. Tu peux pas exprimer le fait que quelque chose soit inexistant parce que t'as entendu que ça n'existait pas. Donc tu trouves ton propre point de vue normalement, c'est pas... Enfin je sais pas, ça me semble logique mais... Nice, plus qu'un level. Ouh. Aqueduc habitable. What the fuck? L'aqueduc de l'enclave a été transformé en espace habitable. Attends, genre... 37, on a du 37. Nice! Je viens de le remarquer, mais on a du 37. Donc, ça, par contre, je vais aller voir dans le Fort Tarsis. Enfin, dans la Forge, pardon. J'ai pas eu accès! Cinématique? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi n'y ai-je pas eu accès? Non. Pas de cinématique. Casse-toi. Ok, là. Là. Très bien. Curieux maintenant, moi. Tout le site était envahi. C'est à ce moment que la relique est devenue instable. Ok, donc là, normalement. Il y a un truc qui aurait été changé. C'est quoi ça ? Enclave des freelancers. Trophée de ferraille. D'accord.
Donc normalement ici, il y a quelque chose qui était transformé en lieu de vie. Capsule de résonance. Cristal de corium, d'accord. C'est là en bas, non? C'est ça? Oh, pff. Ok. Ok. Ursix? Crâne de Xagular. Non, même pas. Xagular. Très bien. Bon, moi, ça me dérange pas, hein. Je suis... Salut, t'as un peu de temps? Intéressé par tout ça, mais... salut, Jack. Ok. De l'enclave doit être partagée, pas vrai? Enzo, Python, très bien. C'est ça qui compte. Ajoutez-moi, hein, si vous voulez plus de trucs. Moi, je joue pratiquement tous les jours. Enfin, je joue tous les jours au jeu. Hein. C'est pas pratiquement, c'est je joue tous les jours. Salut. Nice. Outil de mitraille d'Algren. Ouh, c'est quoi ça? Arme de poing d'Argentum. D'Argentum Tran. Ils sont magnifiques, hein. Putain. Salut les filles. Riz, je comprends. Yaro veut nous faire croire qu'on participe à quelque chose de plus grand que nous. Mais la mort n'est pas une histoire. C'est juste une fin. Et je sais que tu lui en veux pour ce qui est arrivé, mais je lui en veux pas. Et je peux comprendre. Je suis pas en colère. C'est faux. Écoute, sois prudente, d'accord? Est-ce que tout va bien? Si je dis oui, on peut ignorer la discussion que je viens d'avoir avec Riz? Impossible. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? T'en veux à Yaro? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien longtemps, c'était moi le gros poisson. J'ai survécu à la bataille de Liberté. C'est juste de la jalousie. Dominion a attaqué. Bien avant tes exploits. T'étais là quand le cénotaphe. Aux premières loges. Okay. J'en suis sorti, mais mon crypteur. Mon frère. Notre crypteur est resté actif jusqu'à la fin. D'accord. Mais c'est vrai, tu étais avec lui. Au moins, tu étais avec lui. Au moins, il n'est pas mort tout seul. Mais il est mort. Et pourquoi? Pour devenir un ombre sans nom et sans visage? Il a fallu 10 ans pour dissiper le Maelstrom. Et Yaro se sert déjà de tes prouesses pour recruter plus de freelancers. Et alors ? Les que j'accepte peuvent sembler ennuyeux, mais ils sont honnêtes. Est-ce que les miens le sont pas ? L'histoire de Yaro, qui glorifie les morts pour attirer de nouvelles recrues. C'est pas son intention, t'es un gros débile. T'es une grosse débile, pardon. Le mur de Yaro honore les disparus. C'est de la propagande. Je le sais. Ah non, mais ton interprétation, c'est pas celle de tout le monde, hein, pétasse. Pardon, hein, mais là, ça me gonfle. Qu'est-ce qu'Aladel et toi en rêvant de rejoindre Yaro dans ses aventures? Puis tu t'es lancé. Et j'ai tout perdu. T'as parlé à Yaro? Oui, souvent. Sur ce sujet? Je suis pas d'accord. Là, je suis pas du tout d'accord avec la façon. On finirait par se disputer. Merci de m'avoir écouté, mais je dois me remettre au travail. Ouais, bah alors là, je suis débile. Dans ce cas-là, tu peux dire que les pompes funèbres, c'est de la propagande aussi, parce que bon, après tout, ils se font de l'argent sur le dos des morts. Ce qui est, en soi, assez triste, effectivement, mais bon, c'est pas forcément la propagande pour autant. Pardon, elle m'énerve, elle me gonfle. Elle me gonfle. Oh là là. Oh, elle m'a énervé. Ouh. Ce que je crois, c'est la vérité. T'as toujours tort par rapport à ce que je crois, gros débile. Yaro, on cause. Quelqu'un a viré. Ah, freelancer. Ah, Yaro. Faut qu'on parle. T'es sûr? Oui. Oui, tout va bien. L'autre fois, tu as parlé sans détour de Garnett. Ouais, je sais. La vérité. Et c'est ce que j'ai obtenu. La vérité, pure et simple. Comment ça va? Ni bien ni mal, mon ami. Ni bien ni mal. Mais mieux. C'est un début. Tant de choses ont changé par ici. Et en mieux, c'est grâce à toi. Je n'étais pas seul. Encore une fois... Avec beaucoup d'aide, invincible. Voilà. Ensemble. Beaucoup d'aide, c'est sûr. Quand bien même, j'entends souvent parler de tes exploits. J'ai eu beaucoup à faire ces derniers temps. Oui, c'est toi qui as démasqué cet imposteur, ce lâche, ce voleur, Diggs. Et que dire du Maelstrom, du Dominion, de l'Observateur? Qu'ils appartiennent au passé, qu'ils y restent. Tu as fait preuve d'une bravoure inoubliable pour Fort Arcis. C'est chez moi. Chez nous, tu as rempli ton contrat. Tenu une promesse qui remonte à plusieurs années. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Si jeune. Et pourtant, c'est toi qui m'enseignes à quoi va ressembler l'avenir. Tu disais que ta mémoire était orientée vers les bonnes choses, les victoires. Et je me souviens que tu m'as répondu que rien n'était jamais tout rose. Je disais,
Alors que d'autres renonçaient, tu as tenu bon. Ils se reprendront grâce à toi. Tu restes fidèle à tes convictions, même quand le monde entier semble se liguer contre toi. C'est la marque des freelancers. Tu vois, c'est toi qui m'enseignes à quoi va ressembler l'avenir des freelancers. Focalisés sur le bon côté des choses, ils feront tout pour l'obtenir. Ils incarneront l'espoir. Un rôle parfois risqué. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et quelles belles histoires à raconter. J'ai une question à te poser. Je t'écoute. Tâche d'y répondre honnêtement. Compris ? Compris. Le moment venu, qui rédigera mon histoire ? Tu peux compter sur moi. Ce serait un grand honneur pour moi si tu m'y autorisais. Toi plutôt que quiconque, mon ami. Mais assez parlé de ça, j'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. Ah ! Bon, maintenant, j'ai du travail. T'as pas intérêt à être mort quand je vais revenir, hein. Putain. Je le prendrais très très mal. Les petits potes. Max. Je sais pas pourquoi je savais qu'il allait y avoir un rapport avec Max quand j'ai vu l'autre mec, là, le personnage mystérieux. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On va aller voir Max avant d'aller voir Mati. À chaque fois, ce truc-là, j'ai l'impression que c'est de l'interface qui apparaît. Oh, oh, ça, c'est moche. Bouh. Max. Ah oui, c'est vrai, t'es toujours accolé au bar. J'arrive. Salut. Te voilà. Je te cherchais. Trop occupé avec ce foutu fort pour t'arrêter boire un verre. Mais je bois jamais. Personne avec la gorge sèche. On dirait que c'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu sais, cette saleté finie à l'eau que tu cherchais. J'en ai 4 caisses en réserve. La Fortuo, là. T'as réussi à en avoir ? Yaro va être fou de joie. Génial. Cette vieille tête de boulon arrêtera peut-être de regarder mes gars de travers chaque fois qu'il vient ici. En parlant d'eux, Amal a créé un cocktail super sophistiqué avec de la Fortuo. Ça la rend parfaitement buvable. Mais je peux pas le mettre à la carte tant qu'il n'y a pas de nom. Des suggestions ? Appelle-le Garnett. Ah, ça va faire mal ! Ouais, pourquoi pas le Garnett ? J'aime bien, c'est classe. Un peu comme mon ex-femme, mais en moins cher. Si t'as besoin de quoi que ce soit d'autre, fais-moi signe. Ah, j'ai peut-être fait la mauvaise... Parle-moi des régulateurs. Je me demande toujours comment t'obtiens tous ces trucs. Tu dois avoir de sacrés contacts, non ? Tu veux que je mette la clé sous la porte ou quoi ? Écoute, il y a deux manières d'entrer chez les régulateurs. Et les deux sont pourris. Il y a la famille dans laquelle on est et celle qu'on choisit. J'ai les deux. Laquelle était la pire ? T'as déjà envisagé de vivre avec un Ursix ? D'acheter un appart avec lui ? C'est ça d'être marié à un régulateur. Même à les plus un régulateur ? Surtout les plus beaux. T'es marié, Max ? Ma femme Léna est délicieuse. Et je dis pas ça par peur qu'elle me pète les rotules. Ok, restez à l'écart des régulateurs. Surtout s'ils sont beaux. D'accord. C'est chelou la façon dont elle était entre deux genres, on va dire. Mais bon, pourquoi pas. On va aller voir la fin du contrat Memento Mori. On va bien voir. Je pensais que j'allais déjà avoir le dialogue de... Waouh. Fais flipper, toi. De Yaro, mais non. Très bien. La suite. Il y a d'infos sur l'enregistrement que t'as trouvé. Il confirme que le symposium d'Anchar a tué Rabban Mor. Putain. On raconte qu'il avait disparu. Les gens pensaient qu'il s'était égaré en étudiant les instruments des démiurges. Attends, c'est quoi ce symposium d'Anchar ? On commence par quoi ? Beaucoup de légendes circulent sur eux. Difficile de démêler le vrai du faux. Ils sont toujours décrits comme un groupe d'arcanistes formé il y a longtemps dans un but obscur. Je pensais que c'était juste des histoires. Mais c'est bien eux qui ont tué Rabban Mor. Et aujourd'hui, ils tuent d'autres arcanistes. Ils sont bien réels et actifs. Ça fait beaucoup d'un seul coup. Mor devait savoir qu'il était en danger. C'est pour ça qu'il cachait tout. Comme son archive de données. Le symposium la voulait. Mais c'est nous qui l'avons. Elle pourrait contenir des réponses. On va immédiatement commencer à la décrypter. Je te tiendrai au courant de nos découvertes. Dac, merci. Merci, poteau. Je m'en doutais. Je m'en doutais. J'ai des contrats en attente. Mes collègues ont été très insistants. Pendant que tu t'occupes de ça, nous, on va continuer de décrypter l'archive de mort. Ok. Mathias et ses compagnons ont prouvé l'existence d'un mystérieux et dangereux groupe. Ils se tournent vers vous
pour poursuivre leurs travaux et découvrir la vérité. Il est impossible de s'accorder sur la manière d'avancer, mais certains préféreront le désastre à l'immobilisme. Extrait des transcriptions des dernières remarques de l'arcaniste Ness, Stellus, lors du procès de l'arcaniste Airball. Ok, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on se fait un dernier petit contrat ou un truc dans le genre ? On va se garder le... Je préfère me garder le contrat légendaire pour un début d'épisode. Travaux de freelancer, on va aller faire ça. Je suis curieux. Je suis en position, Yaro. Ok. C'est quoi les détails ? C'est fou. Toujours tout seul. Il est tombé de le camarade. Empêchez-le de continuer. Je vais aller jeter un œil. Direction. Parfait, merci. C'est ça que j'aime le moins dans ce jeu, c'est les fameux murs blancs qui te cassent complètement l'immersion. Yep. Ah, j'adore. Je sais que j'aurais pas cette petite effet de surpuissance avec les autres en termes de mouvement, vous savez ce que je veux dire, de l'impact, etc. Mais bon. Ok. Oui, monsieur. Ah bah oui, ce serait bien de me le faire apparaître dès le début. Oui, monsieur. Le bazar de la mission. J'en compte plus que un, mon ami, hein, mais bon. Peut-être que tu sais pas compter non plus. Bien. Bel effort. Oh, bel effort, genre. Comment il me parle? Oh, les pauvres. Bon, ben j'imagine qu'il est en hauteur. Là. Aha. La fin est proche. Continue. Salut. Il attend. Ce monsieur attend que je fasse la quête. C'est triste, hein. Il attend. Finissons avec ce combat. Vite. Incroyable, hein. Il en branle pas une. Waouh, il a tué une personne, un truc de ouf. La mentalité des gens, je comprends pas. Et voilà, excellent travail. On nous signale des sorcières en difficulté, troublée. D'accord, bien compris. Alors, moi ça me permet aussi de voir, parce que je vous avais déjà prévenu dans l'épisode précédent et l'épisode d'avant peut-être aussi que j'allais faire de The Division 2. Je sais toujours pas comment je vais réussir à les caler en termes de vidéo en plus, parce que bon... Surtout que je vais enregistrer ça alors que je vais avoir un pote qui stream. Il a la chance d'avoir la fibre pour pouvoir streamer et moi je peux pas. Streamer un jeu en ligne en même temps... Mais bon. Je réessayerai, on verra bien le moment venu. Mais on va voir si la différence de jeu va créer une différence d'ambiance.
en termes de façon de jouer des joueurs. Je suis curieux. Un peu comme Battlefield et COD. Le jeu étant complètement différent, est-ce que le jeu va créer une espèce de mentalité de joueur différente? C'est ça qui m'intéresse le plus. Ah, on va avoir des copains. Oui, monsieur. À vos ordres, monsieur. Appelez. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Les problèmes sont résolus ici, hein. Tu peux aller ailleurs. Le combat n'est pas fini. Ne laisse personne s'échapper. T'es compris ? Compris. Ah, regarde. C'est quoi ? Brûle. Merci, au revoir. Tous les scars sont morts. Bah ça y est, t'as fait quelque chose. La suite. Un freelancer a envoyé un signal de détresse. Allons lui porter secours. La suite. Direction. Oui. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. C'était prévisible que ça allait être par là. Il n'y a pas les brutes qui sont souvent ici? Non. Très bien. Merci d'être venu. Tu oublies tout. Les freelancers font des uns sur les autres. Un jour, c'est toi qui auras besoin d'aide. Pas beaucoup d'action, hein. Y a pas de... Comment dire, de complexité. La menace n'est pas écartée, reste en position. Mais monsieur, à vos ordres, monsieur. C'est le baobab qui m'empêche de... Logique. Plus personne ? Ah bien. Couché ! Où ça ? Ici ? Oui! Oui! Recharge, 2 secondes. C'est bon. Merci, oui, je trouve aussi, je suis ultra balèze. Ah, ça fait du bien. Je suis trop fort. Bon, si je suis en normal aussi, hein, mais bon. Je vais pleurer quand je vais passer en GM1, hein, mais... Mais je suis trop fort. Ah, ça fait du bien.
C'est un peu le même sentiment que j'ai dans Diablo, c'est dommage que ce soit en normal que je l'ai, quoi. Et que apparemment, il y a certains builds qui sont ultra pétés et d'autres qui le sont beaucoup moins. On verra bien. Quand on sera au niveau 30, on aura enfin de quoi step up. J'ai fait mieux que toi. 37, renforcement de bouclier lourd, assaut lourd, gravure ultime. D'accord, très bien. Ok, fort Tarsis. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode de... Alors attendez. 25e épisode. Je sais pas quand vous l'aurez, peut-être vous l'aurez un mardi. Mardi 19 peut-être ? Je ne sais pas, je crois. Je suis pas tout à fait sûr. Ce qui veut dire que... On aura déjà bien commencé... Comment ça s'appelle ? The Division, normalement. Si j'arrive à caler à peu près une heure de gameplay tous les jours. Tous les deux jours, je sais pas. Ça sera en fonction de la quantité que je pourrais tourner avec Ronto. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Si vous jouez sur PC, ajoutez-moi sur Origin, Monsieur Marcus Bonus, MR Marcus Bonus. Et comme ça, on sera dans la même alliance et on pourra vous se donner du pognon les uns aux autres. Faire de la YouTube monnaie. Bah très bien, continue comme ça, continue à oublier. Et surtout, bah pouvoir acheter tout ça. Voilà, c'est ça le plus important. Et tout ce qui est cosmétique dans ce jeu qui est le plus important. Donc voilà, salut les gens et yop!